Oh.
Tu es digne de louange, digne d'acclamation. Tu es le Dieu tout-puissant qui mérite l'adoration, qui mérite réellement d'être élevé, qui mérite l'adoration et la louange de son peuple. Seigneur, dans ton palais, tous ces cris de gloire, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de toute puissance. C'est toi qui changes le cours de l'histoire, c'est toi qui touches le cœur des hommes, c'est toi qui ramènes, Seigneur, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui purifies. Tu es tout en tout et pour tout, Seigneur. À toi seul soit la gloire, la puissance et la majesté. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour te louer et t'adorer. Nous avons reconnu qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui mérite nos louanges et nos cœurs, Seigneur. Reçois-nous, Seigneur, ce matin, comme un sacrifice vivant, Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu te formes un corps. Tu es venu sur la terre pour payer le prix de notre rachat. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Parce que tu es le seul et unique, notre Dieu. C'est toi qui as la puissance éternelle et l'autorité de nos vies, mon Seigneur. À tes pieds, nous abandonnons, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Il n'y a que toi, Seigneur, qui mérite d'être élevé et adoré. Ce matin, nos cœurs t'ont chanté. Ce matin, nos corps ont dansé pour toi, Seigneur. Et nos lèvres ont publié et triomphé. Parce que tu as fait des miracles. Parce que tu as fait des grandes choses. Seigneur, j'étais éloigné, mais tu m'as ramené, Seigneur. J'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu es présent parmi nous. Et lorsque tu es là, Seigneur, plus rien ne peut résister à ta puissance, mon Sauveur. Lorsque tu es là, Seigneur, ô notre Dieu, l'atmosphère change. Lorsque tu es là, Seigneur, ô Dieu, aucun cœur ne peut résister, Seigneur. Lorsque tu es là, aucun démon, Seigneur, ne peut résister dans ta présence. Louange et honneur à toi, parce que tu fais des merveilles, parce que tu fais des grandes choses. Seigneur, ô Dieu, notre Père, merci d'avoir fait tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Nous étions dans l'obscurité, mais Seigneur, tu es venu, tu nous as tirés de la boue du péché, tu nous as lavés, nettoyés. Seigneur, tu nous as placés dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta maison ce matin, pour te louer et t'adorer. Je vois un jour dans tes parvis que mille ailleurs, notre Dieu, tu es le seul qui mérite l'adoration. Bénis ton serviteur, notre pasteur, par la bouche duquel tu vas encore nous parler. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu, tiens ton serviteur dans le cœur de ta main, Père, qu'il soit conduit par toi, qu'il soit inspiré, que l'homme disparaisse, ô Père, mais que toi, le Dieu très haut, tu parles, Seigneur, au travers de l'instrument que tu as choisi encore ce matin. Bénis tous nos frères qui sont en connexion. Ils sont nombreux, Seigneur, attendant vraiment de pouvoir écouter la voix du bon berger. Car c'est toi, notre bon berger. Fortifie ton serviteur. Loin-le pour le service. Que l'ange de l'Éternel soit à ses côtés pour confirmer la parole que je l'ai envoyée. Merci pour notre frère Abraham, que tu as aussi conduit parmi nous. Que chaque cœur, que chaque frère, que chaque sœur soit béni en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. 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 On lit dans le livre de Psaume, au chapitre 92, Psaume, chapitre 92. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle.
Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste et il est mon rocher et qu'il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Considère sa parole. À ces dieux que tu es, parce que tu es vraiment merveilleux. Amen. Que ton nom soit béni, Amen. Que ton nom soit célébré. Amen. Tu es vraiment le Très-Haut. Nos cœurs et nos âmes sont tournés vers toi, Amen. Parce que nous savons que de toi nous vient la vie, Seigneur. Amen. De toi nous vient la consolation, notre Dieu. De toi nous vient la délivrance, notre Père. Tu es vraiment notre sauveur. Amen. Tu es vraiment notre rédempteur. Amen. Tu as vraiment payé le prix de notre rachat, mon sauveur. Merci encore pour mon frère. Merci encore pour ma soeur qui est libre ce matin, mon bénévole Seigneur, et qui est un fils de Dieu encore ce matin, Seigneur. Parce que c'est toi qui l'as fait. Nous te disons merci, Père Tout-Puissant. La Bible témoigne que tes yeux te loueront, Éternel. Nous te louons, mon sauveur béni, parce que pour nous, tu as fait des grandes choses. Merci encore pour ce matin, Seigneur, pour ta victoire, mon notre Dieu, pour ton amour encore notre endroit, mon bénévole Père Tout-Puissant. Nous t'avons chanté avec allégresse, mon Père. Nos cœurs sont engagés en toi. Ta victoire, mon bénévole Seigneur. Et disant que tu es les dieux Très-Haut, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, mon bénévole Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci. Combien tu es bon, mon sauveur. Oh Dieu, tu es le plus beau parmi les milliers, mon sauveur. Tu es le meilleur, mon bénévole Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Oh, tu es vraiment le grand, tu es vraiment le merveilleux, tu es vraiment le tout-puissant. Oh, que chacun te loue, mon Dieu, Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, mon roi. Que ton nom soit béni. Tu es vraiment le puissant vainqueur. Tu as vraiment vaincu. Parce que ta victoire, nous l'avons, Seigneur. Oh, béni soit l'Éternel, notre Dieu. Tu es merveilleux, notre roi. Tu as vraiment vaincu, mon Dieu, mes patrices. Et tu as mené captive la captivité, Seigneur. Tu es monté dans les hauteurs, mon bénévole Seigneur. Et tu nous as fait des dons, mon roi. Et nous te servirons toute notre vie, Seigneur. Soyons bénis encore ce matin, Seigneur. Pour mes frères et pour mes soeurs, mon bénévole Patrice. Et pour nos enfants aussi, mon bénévole Seigneur. Et tous ceux qui sont à l'écoute encore ce matin, Seigneur. Dans tous les pays, nous trouvons encore, mon bénévole Patrice. Dans chaque pays, mon bénévole Patrice. Ils sont aussi bénis, mon sauveur. Gloire, je reviens à toi. Pour les sauts, mon bénévole Patrice. Nous sommes heureux. C'est vrai, les justes croient qu'on les palmiers. Seigneur. Nous te remercions, mon bénévole Père Tout-Puissant, et il porte les fruits même de la vieillesse, mon bénévole Seigneur. Oh, nous nous accrocherons à toi, mon bénévole Père Tout-Puissant. Oh, jusqu'au bout, nous serons fidèles, mon bénévole Père, jusqu'à la mort, mon roi. Sois donc béni encore ce matin, mon sauveur. Sois donc glorifié encore pour mon frère et pour ma soeur, Père Tout-Puissant. Béni sois-tu encore pour tout. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Et pouvez-vous le soir. Nous remercions notre Dieu pour cette matinée. Et la joie nous a mis dans notre cœur d'être dans sa maison. Amen. Et nous sommes venus de tout notre cœur avec cette allégresse pour pouvoir le célébrer et le glorifier. Nous le remercions pour ce qu'il fait, car il bénit le départ aussi l'arrivée. Et nous le remercions pour sous les notes qu'il a lui gardé sur le chemin d'aller. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans la joie d'avoir notre précieux frère, le pasteur Abraham, qui est venu donc de Kinshasa. Et j'étais très heureux ce matin de pouvoir le voir. Nous sommes toujours dans la joie de le voir. Amen. Et comme je l'avais toujours dit, nous t'aimons, mon frère. Amen. Et ici aussi, c'est chez toi. Amen. Alors, je vais lui demander de venir juste vous saluer et que nous puissions arriver à pouvoir aussi prier pour l'enfant. Que Dieu te bénisse, mon frère. Viens et bonjour à l'Assemblée. Vous le connaissez, c'est toujours Amen. Bon. Amen. Que Dieu te bénisse. Que tu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous. Amen. Et je crois que cette écriture des proverbes ne doit pas s'accomplir pour nous les enfants de Dieu. Proverbe 25, verset 17. Je n'aime pas dire ça, mais je le dis parce que elle ne doit pas s'accomplir pour nous, pour les enfants de Dieu. Comme a dit le pasteur, ça c'est ma maison. Je suis parmi mes frères et je me sens toujours très heureux, très joyeux. Alors la Bible le dit, mets réellement les pieds dans la maison de ton frère, de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi. Et qui ne te haïsse. Amen. Mais nous, quand nous rencontrons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour l'amour. Amen. Et je vous transmets les salutations des frères et sœurs de la petite église autour de la tabernacle de Kinshasa. Amen. Je devais venir avec mon épouse, mais il y a eu des contretemps à la dernière minute. Mais elle va toujours venir. Amen. Ah, parce que. J'avais dit qu'elle va venir ici pour communier avec vous. Amen. Parce qu'elle vous aime aussi. Amen. Et vous l'aimez aussi. Amen. Et tous les frères vous aiment beaucoup. Amen. Et quand je vois comment Dieu est en train d'agir, nous voyons que le temps est proche. Alléluia. Il ne reste plus beaucoup de temps. Quand nous avons chanté ici, et vraiment, cette écriture est en train de s'accomplir. Peut-être que les gens voient. Les choses passées, ils disent c'est la modernisation, c'est la civilisation, mais pour nous, c'est l'accomplissement des églises. Quand nous voyons les choses qui se passent sous nos yeux, je crois que l'épouse doit savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Amen. Et la façon dont Dieu est en train de travailler ces derniers temps, ça doit nous faire peur. Amen. Dieu est en train de travailler d'une manière spéciale. Amen. Quand vous voyez des vieilles comme la sœur qui venait de chanter là, ah, ça m'a beaucoup touché. Alléluia. Oh, Seigneur Amen. Jésus. Amen. Si une vieille maman comme celle-ci peut s'élever et glorifier Dieu, mais les jeunes qui restent en train de se regarder, de regarder leur jeunesse, mais ils seront jugés. Alléluia. Ils seront jugés. Chaque chrétien doit faire quelque chose pour l'avancement Amen. Du royaume. Amen. Frère, tu te réveilles le matin, tu arrives au soir, fais l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'avancement du royaume aujourd'hui? Amen. Mais nous sommes entrés dans la distraction que tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a mis sur la terre. Non. La parole dit que Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Et probablement, dit quelque part que un chrétien, il doit, chaque jour, il doit se demander qu'est-ce que j'ai fait pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour l'avancement du royaume des cieux. Tu arrives le soir, le matin, tu te réveilles encore, qu'est-ce que j'ai fait.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis là pour juste une semaine et puis je vais rentrer au pays là où Dieu nous a placés. Parce que Dieu a placé chaque être. Amen. Et nous tous, nous attendons son retour. Amen. Nous tous, nous ne viendrons pas en Europe, non. Mm-mm. Tout le monde n'ira pas aux États-Unis. Non, chacun, Dieu l'a placé quelque part. Amen. Et là où tu es, tu attends le Seigneur là-bas. Amen. Si nous tous devons venir ici, mais qui va rester dans les jeunes de l'Afrique là-bas? Qui va y rester? En Asie là-bas, qui va rester? Mais là où tu es, tu dois savoir que tu as une mission. Amen. Et quelle est ta mission? C'est attendre le retour du Seigneur. Amen. Amener l'autre à connaître Christ. Amen. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Tu dois amener l'autre à connaître Christ. Et attendre le retour du Seigneur. Nous, les prédicateurs, nous parlons. Quand on vous dit de saluer, vous commencez à entrer dans beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous remercions le Seigneur. Amen. Nous aimons votre frère. Amen. Comme je l'ai dit, qu'il se sente chez lui. Amen. Et nous sommes dans la joie. Nous prions pour que le Seigneur accorde la grâce aussi à notre soeur, son épouse, et qu'il puisse aussi venir, comme c'est son désir aussi. C'est aussi notre joie de pouvoir aussi savoir que notre soeur a aussi ce désir d'être aussi parmi nous. Nous sommes heureux de pouvoir être là encore ce matin, et sachant, réalisant aussi la grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir, par le soleil qui s'est levé, et de réaliser aussi le bienfait de notre Seigneur dans notre vie. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur pour tout ce qu'il fait. Amen. Et nous réalisons aussi qu'effectivement, que, comme mon frère l'a dit, le temps est monté à sa fin. Mais pendant ce temps dans lequel nous nous trouvons, nous avons reçu cette grâce de pouvoir le connaître dans ce moment. Et nous voyons aussi les merveilles qu'il essaie d'accomplir parmi nous. Et pourquoi nous le remercions pour ce qu'il a fait pour notre frère Vladimir. Et notre soeur. Et notre soeur, ici Léa, la grand-mère. Que Dieu soit béni. Nous voulons donc demander à notre frère et notre soeur Fanny de venir avec l'enfant. Toi qui bénis et toi qui donne Père, oh Dieu, que ton enfant soit béni, Père, qu'il soit
attendez pas toi. Ils soient protégés, mon Dieu, pas tout ça. Seigneur, que ta bénédiction accompagne, Père. Que la maladie soit tenue au loin. Ciel, béni, mon roi. Que la guérison vienne aussi, Père. Bénis ton Père et sa mère, mon roi. Le roi pour leurs besoins, mon Dieu, pas tout ça. Et qu'ils aient le moyen pour prendre soin de cet enfant. Mon Dieu, qui donne son tournoi à travers les mains. Et ta bénédiction leur soit accordée. Et ta victoire leur soit accordée. La joie sur mon Dieu, mais pas tout ça. Nous sommes heureux, mon béni, mon Père. Nous te remercions pour tout. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah oui, c'est merveilleux. Amen. Il est bon d'être un chrétien. Amen. Parlons à Dieu. Amen. Notre sœur Fanny, que Dieu la bénisse aussi. Comme je le disais, elle a tenu le péridival qu'on lui proposait, elle n'a pas voulu. Elle a resté ferme dans la foi. Elle a voulu accoucher la parole de Dieu. Nous remercions notre Dieu pour cela. Que Dieu bénisse son Saint-Nom et que son Saint-Nom soit béni. Qu'il bénisse aussi cette famille. Et nous sommes heureux parce que cet enfant nous appartient aussi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Amen. Nous avons notre sœur qui était venue de l'Italie, je pense. Et je lui avais dit qu'elle allait donc aussi saluer l'Assemblée. Le temps était passé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment son dernier jour de devoir rentrer en fait en Italie. C'est notre sœur Félicité. Je voudrais qu'elle vienne ici pour aussi bien au revoir à l'Assemblée. Et je voulais aussi qu'elle vous dise aussi la raison pour laquelle elle était venue aussi. Je pense que quand elle était venue, il y avait des frères et sœurs qui n'étaient pas là. J'avais parlé un peu. Mais j'avais voulu effectivement qu'elle vienne aussi, elle-même aussi, rendre témoignage ce soir, dimanche. Mais les jours sont passés et on n'a pas eu l'occasion. Mais aujourd'hui, quand c'est l'occasion nous est donnée, qu'elle va partir, je voudrais bien qu'elle vienne. Si elle est là, notre sœur Félicité. Si elle peut avancer vite, il faut lui donner le micro pour qu'elle puisse arriver à pouvoir aussi nous dire son au revoir. Et si nous prions pour elle. Merci, ma sœur, tu peux avancer, sœur. Juste prendre le micro, mon frère. Juste le micro fixe qui est là. Vous donnez, vous n'avez pas besoin de faire toutes autres choses. C'est plus facile. Voilà, ma sœur. Tu peux nous dire un mot et les témoignages de ce que notre sœur est venue ici. Alors je pense que j'avais demandé que tu puisses saluer aussi l'Assemblée qui lui en parle. Seigneur, vous bénisse. Amen. Je suis très reconnaissante au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée au milieu de vous. Et mon séjour a été vraiment merveilleux. Attends, mon bien-aimé sœur. Il y a un problème avec les sons. C'est le micro qui est mauvais. Alors vous lui passez le micro. Alors mon frère, lève-toi vite. Prends le micro, rapproche. Quand le son n'est pas bon, vous vous approchez, vous vous occupez, on entend bien les gens. Approche même ces micros-là, c'est bon. Approche le micro. Voilà ma soeur, approche-toi aussi du micro. Tu peux parler rapidement. Merci. Comme je disais tantôt, le Seigneur précédait mes pas et tout s'est passé selon sa volonté. J'avais ce désir dans le cœur il y a longtemps. Et le Seigneur a retardé son serviteur parce que ma fille devait voyager. Et le Seigneur a retardé son voyage pour moi. Je bénis son nom. Et je suis très contente d'être au milieu de vous. Je pleure en rentrant. J'aurais bien voulu rester avec vous. Mais je rentre pour le travail. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, Dieu pour moi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. On va prier pour notre sœur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Notre sœur, là-bas où elle était, tu as touché son cœur pour qu'elle vienne ici, afin que nous puissions passer ce temps ensemble avec elle, Père. C'est vrai, comme elle a parlé aujourd'hui, il aurait temps de rester ici, Père. Nous te prions de pouvoir la bénir, l'accompagner aussi là où elle est. Où elle sera venue à notre Père, afin que toi, tu puisses agir encore dans sa vie, Père. Que tu la soutiennes, que tu la fortifies. Alors tu vois, si son cœur, ce n'est pas facile de se tenir là, mais je prie pour que tu la soutiennes, Père. Bénis-la encore richement. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Reste là, ma soeur. En fait, elle n'a pas dit ce qu'elle devait dire. Alors, cette soeur que vous voyez,
La première fois que je suis allé au Cameroun, nous étions partis avec mon frère Alexis Barrier. Et nous avons fait en fait tout le Cameroun, nord, sud, de l'est à l'ouest, jusqu'à arriver dans le coin le plus reculé. Alors nous sommes arrivés dans la ville de Bafoussa. Et son père, notre frère, est pasteur là-bas. Et c'est dans cette ville-là qu'il nous a accueillis pour que nous puissions avoir des réunions ensemble là-bas. Et nous sommes entrés dans sa maison qu'il nous a visitée. Nous avons été touchés parce que sa maison était vraiment en train de s'écrouler, parce que derrière, je crois qu'il y avait une sorte de précipice et la maison s'est dégradée ainsi. Et voilà que le frère, il devait encore être jeune à ce moment-là, et le frère nous a donc demandé si on ne pouvait pas arriver à pouvoir voir comment l'aider pour cela. Nous étions d'abord touchés parce que de nous avoir invité dans sa maison qui était dans un état difficile et qui s'écroulait vraiment. Alors quand je suis rentré, effectivement, bon, nous avons eu à pouvoir faire quelque chose que nous avons pu envoyer là-bas. Et j'ai pu contact avec le frère. Et nous avons envoyé effectivement l'argent nécessaire pour que la maison soit rebâtie et construite effectivement. Elle était encore toute jeune, je pense, à ce moment-là. Et voilà que les années sont passées. Bah, moi, mon frère, nous avons oublié cela, effectivement, ce qui a été fait pour le frère. Et voilà qu'il n'y a pas longtemps, cette année-ci, je reçois un email. Et alors, avec autant de respect dans cet email, effectivement, c'est elle qui m'écrivait, dit, j'écris parce que je vous demande si je peux venir en Belgique. J'avais prié Dieu que s'il m'accordait la grâce de pouvoir venir en Europe, je viendrai jusque là où vous êtes pour pouvoir vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon père. Parce que nous étions dans une maison qui s'écroulait et vous avez eu à pouvoir envoyer de l'argent nécessaire pour que notre papa puisse reconstruire notre maison. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir voir cet homme et dire merci de ma propre bouche. C'est ainsi qu'ayant grandi, ayant été en Italie, ayant resté là-bas pendant des années, cela était toujours dans son cœur. Venir voir cet homme-là, qu'ils avaient aidé quand il était encore petit, et que la maison a été construite, et lui dire merci de sa propre bouche. Donc c'était le but pour lequel cette jeune sœur est venue jusqu'ici, pour aussi dire merci au Seigneur et avoir communion avec vous. J'ai été très touché de pouvoir voir qu'après tant d'années, l'enfant qui était dans la maison, donc il était là, il pouvait voir et entendre et voir ce qui a été fait sans rien dire, mais dans son âme, elle cherchait à pouvoir dire merci. J'ai dit, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup comme ça. Ma soeur, félicité, que Dieu te bénisse. Amen. Vous l'avez aimé, non? Amen. Pendant ce temps qu'il a été ici, on la voit avec son sourire, tout ça. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Nous aussi, nous sommes tristes. Hein? Et nous voulons que tu reviennes. Amen. Va en paix. Que Dieu soit béni. Amen. Dimanche passé, je pense, j'étais ici. Je crois que j'ai entendu, je parlais, puis je pense que j'ai décidé les noms. Je ne sais pas si ce matin, je ne sais pas si elle est là, mais est-ce que la sœur, comment elle s'appelle, Déborah Bukidai, est-ce qu'elle est ici, cette jeune sœur? Ah, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Je parlais d'elle, effectivement, je parlais de Déborah, mais j'ai cité les noms de. Ah, ben voilà. Et vous avez compris, c'était elle. Oui. Si vous avez compris, c'était elle. Bon, si vous n'avez pas compris, donc je m'étais trompé de nom. Donc c'était bien Déborah Bukidai dont je parlais. C'était pas donc sa sœur Rebecca, donc pour les noms revenir. Et j'ai confondu effectivement les noms. Ça arrive effectivement que les noms et les uns et les autres soient confondus. Et que le Seigneur la bénisse. Amen. Et que le Seigneur la fortifie aussi. Je pense que j'avais dit à mes frères, je devais corriger cela parce que c'était dans mon pensée, effectivement. On oublie beaucoup de choses, hein. Et les noms, les missiles. Parce que, après la réunion, mon frère Christian dit, mais si tu t'es pas trompé parce que tu t'es parlé, est-ce que c'était pas Déborah? J'ai dit, mais oui, je parlais de Déborah. Il dit, non, tu parlais de. J'ai dit, non, quand même. Et puis, c'est après que j'ai eu la confirmation qu'elle-même m'a dit qu'il y avait donc une erreur, effectivement, des noms. Et que le Seigneur soit béni. Nous allons nous lever pour lire dans le livre du Psaume, au chapitre 68. Et nous lisons à partir du verset 27. Psaume 68, verset 27. Bénissez Dieu dans les assemblées. Amen. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Amen. Là, son Benjamin le plus jeune, qui domine sur eux.
les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs des Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous voulons te dire encore merci. Nous voulons te glorifier encore aujourd'hui pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour et pour ta miséricorde, mon Père. Combien nous t'aimons, son pardonné, combien nous réalisons la grâce et la miséricorde que tu as manifestée aussi à la voix de chacun de nos pères. Ce matin, étant dans ta maison, nous sommes là rassemblés pour pouvoir te louer, te glorifier, heureux de pouvoir réellement entendre ta parole Père puissant, heureux de voir chanter ton nom, de voir aussi les merveilles que tu as accomplies aussi parmi nos pères. Que ton nom soit célébré, qu'il soit béni, Père. Bien, Père puissant, et donne-nous la grâce de pouvoir t'entendre encore aujourd'hui par ta parole, Père. En noyant mon bénévole Père du Vissant, en accordant la grâce à mon frère, à ma soeur, aussi à mes enfants, moi aussi l'attention pour écouter ta parole, Père. Nous voulons vivre avec toi, nous voulons te servir. Sois donc béni, par de tes sécurités, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous pouvons voir, réaliser, combien le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui veille réellement sur ce qui est à lui. Et comme l'Écriture le dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il dit bien celui qui veille sur Israël. Donc Israël, c'est un peuple qui appartient à l'Éternel. Et lui, il a fait son choix sur ce peuple-là. Et comme il est celui qui les a choisis, qui les a réellement aussi appelés, il a donc cette responsabilité de veiller, parce que David dit de lui effectivement que l'Éternel est mon berger. Donc il est réellement le berger de Jacob, celui qui conduit réellement son troupeau vers le pâturage. C'est vraiment une grâce. Il a démontré qu'effectivement qu'il était réellement le berger, parce que lorsqu'il les a fait sortir, il était devant eux pour pouvoir réellement le conduire effectivement dans le chemin et prendre soin d'eux de telle sorte qu'ils puissent être rassurés que c'est lui qui les a appelés, qui les conduit effectivement, a aussi la puissance de pouvoir prendre soin d'eux réellement dans tout le moindre détail et pour satisfaire aussi le besoin nécessaire effectivement du peuple dans la marche dans laquelle ils pouvaient réellement avancer. Dieu savait effectivement, c'est pourquoi Moïse pouvait s'écrier de tout son cœur en disant, mais pendant 40 ans, vos chaussures ne se sont point. Amen. Même vos vêtements non plus, parce que Dieu, parce que mon frère et ma soeur, pendant 40 ans, sans que les chaussures suent, c'est un miracle. Amen. Sans que les vêtements suent, c'est un miracle. Amen. Donc Dieu prend soin même des chaussures. Amen. Même des vêtements, des choses auxquelles on dit, mais c'est pas possible. Non. Dans le moindre détail de ta vie. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Vos précieux frères l'ont chanté, effectivement, dit, mais le cheveu Alléluia. Et vos têtes, même tes cheveux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît cela. Amen. Donc, c'est une grâce que nous avons de pouvoir réellement savoir qu'il est le bon berger. Amen. Et il conduit vraiment vers de faire pâturage. Il prend soin, il se soucie, il fait tout ce qui est nécessaire, effectivement, pour que chaque brebis de pâturage, effectivement, puisse être réellement. C'est pourquoi il a dit que nous ne devons pas nous inquiéter, nous soucier, effectivement. Nous devons simplement nous occuper de ce que Dieu, notre Seigneur, veut de nous, effectivement. Là, il a dit dans le psaume que nous avons lu, effectivement, une parole dit que c'est donc 29, il dit ton Dieu à toi. Pas un autre, mais ton Dieu à toi. Pas de quelqu'un d'autre, mais à toi. Amen. Maintenant, il faut que tu puisses arriver à pouvoir réaliser cela, mon frère et ma soeur. Ah oui, que Dieu te bénisse, ma belle et mes soeurs. Regardez, frères et soeurs, il est bien dit ici ton Dieu. Il faut que tu sois conscient. Parce que Abraham, lui, vous savez, l'autre pouvait avoir parfois des élections pour être. Abraham, lui, ne peut pas se poser la question si ce Dieu-là était son Dieu. Amen. Non, parce que Dieu lui a dit, je fais alliance avec toi. Amen. Donc pour Abraham, c'était clair. Amen. Ensuite, je suis ton Dieu à toi.
et c'est aussi de ta postérité après toi. Donc Abraham était conscient que Dieu était son Dieu. Amen. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma soeur, Dieu est-il ton Dieu? Amen. Il ne s'agit pas de n'importe quel Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Yahvé de l'Ancien Testament, qui est le Jésus du Nouveau Testament. Amen. C'est la question de pouvoir réellement se poser la question de savoir est-ce que c'est lui qui est mon Dieu? Parce que tu peux te faire en sorte de croyance en disant que je crois en lui. N'est-ce pas? Tu dis, bon, ce Dieu-là, il est mon Dieu. Mais en fait, le plus important, c'est comme lorsque, vous connaissez cela, lorsqu'on se donne en fait au Seigneur dans les eaux du baptême. Vous connaissez, non? Quand on vient dans les eaux du baptême, c'est ce que l'homme fait pour montrer à Dieu que je crois en toi. Vous voyez cela? J'ai entendu. Maintenant, je vais m'avancer dans les eaux pour montrer que je crois en toi. N'est-ce pas? Maintenant, il faut que Dieu, maintenant, lui, puisse maintenant dire que ce que toi tu as fait et la foi que tu as effectivement me convient. Donc moi, aujourd'hui, je deviens ton Dieu. Alléluia! Amen. Donc, Dieu observe effectivement. Il faut que lui aussi dise quelque chose en rapport avec ce que toi tu dis. Parce que là, il a dit, lui, avec autant de plaisir à Abraham, parce qu'il a observé Abraham dans son marche. Et puis, avec allégresse, il vient dire, Abraham, c'est Genèse au chapitre 10. On est bien avec vous. Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Et c'est comme cela qu'en parcourant, effectivement, elle lui dit, mais voici donc l'alliance que je vais faire avec toi. Et Abraham a réalisé qu'effectivement, qu'il avait trouvé grâce aux yeux de cet être tout-puissant qui est Elohim, c'est-à-dire que Dieu existant par lui-même. Amen. Et alors, cet Elohim-là qui est le Dieu de l'univers, qui contrôle toutes choses, lui a d'abord appris la grâce de lui parler. Parce qu'il est le Dieu de toute la création. Amen. Non seulement qu'il lui a parlé, ben, il parlait de lui effectivement quand il lui a parlé, qu'il marchait effectivement, mais ben, il parlait à ce Dieu qui est le Dieu de l'univers. Mais tout au long de sa marche, effectivement, il se rend compte d'une chose, c'est que ce Dieu de l'univers vient lui dire que moi, le Dieu de l'univers, je deviens ton Dieu. Quelle assurance. Amen. Pourquoi dans les psaumes 68, ici il dit, verset 29, ton Dieu à toi, ton Dieu, à toi. Il faut que cette relation soit vraiment établie pour que vous compreniez la suite pour faire ça. Il dit, ton Dieu à toi, donc le Dieu qui est à toi, et Dieu que tu as envoyé, Seigneur, je crois en toi. Bah, si j'ai reçu la parole, j'ai entendu, mon âme a été vraiment touchée, je me donne, parce que certainement, je crois que c'est la chose juste, hein, celui qui dit croyant, de pouvoir faire. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui te baptise. Dans les yeux, parce que tu viens dans l'eau, on te baptise dans l'eau. Ah oui, certainement. C'est sûr et certain. Quand est-ce que le Seigneur vient pour pouvoir te baptiser? Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Quand maintenant, lui, maintenant, il vient vers toi pour dire, mais je reconnais maintenant que tu es à moi, que je suis ton Dieu, alors il répond par le feu. Amen. Amen.
C'est là maintenant que lui, maintenant, il te baptise du feu et du Saint-Esprit. Amen. Là maintenant, il dit, c'est mon Dieu à moi parce que il y a un lien qui est entre lui et moi. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Il y a quelque chose qui doit avoir lieu entre toi et ce que nous l'avons entendu dire, mais tous ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestiné. Alléluia. Quand Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il t'a connu. Mais il doit maintenant te confirmer que lui, il est ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans l'incertitude parce que tout le monde invoque son Dieu. Amen. Quand je parle de tout le monde, effectivement, je parle quand même de tous ceux qui lisent la Bible de cette manière. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, ainsi de suite. Sous la forme qu'ils connaissent ainsi. Donc, mais ce qui est important ici, c'est que il doit y avoir, en fait, toi, avec ce Dieu, qui est le Dieu de tout le monde, qui devient ton Dieu. Amen. Parce que quand l'autre parle de lui, effectivement, il est placé dans une dimension tout à fait abstraite, c'est-à-dire que dans l'univers. Mais quand toi, tu parles avec lui, tu parles de lui, effectivement, il faut qu'il y ait une relation où tu sens que, amen, oui, il est mon Dieu. Amen. C'est pourquoi toi, quand tu pries, alléluia, tu dis, mais notre Père, donc mon Père qui est dans les cieux, amen. Tu dis pas mon Dieu qui est dans les cieux. Non. Mais mon Père. Parce que je ne peux. Parce que passer de Dieu en Père, oui, c'est qu'il y a quelque chose. Amen. Je vous l'ai montré dans les Saintes Écritures. Dans Matthieu au chapitre 6, il n'a pas dit que votre Dieu qui est au ciel. Non. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Allez bien. Matthieu au chapitre 6, rapidement pour que nous puissions. Matthieu chapitre 6, il est dit, ici, Matthieu chapitre 6, nous allons lire à partir du verset, verset 25, verset 26, pardon. Regardez, Matthieu 6, verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne ressemblent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Dieu? Non. Non, votre Père céleste, amen, les nourrit. Alléluia. N'y valez-vous pas beaucoup plus que. Et là, il y a une relation qui est passée de Dieu à une filiation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc effectivement, il n'est pas un être abstrait pour moi. Non. Quand je manque du pain que je me mets à genoux, je ne parle pas à un Dieu abstrait. Non, 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 non. Je parle à mon Dieu, dont je suis le fils maintenant, dont je suis la fille maintenant. Je sais où je frappe. Je suis là comme battant l'air, monsieur. Non, j'ai l'assurance de vers qui je m'adresse. Oui, monsieur. Ça, Daniel avait l'assurance. Amen. Il dit au chef, il dit, va dire au roi qu'il me donne le temps. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit au roi qu'il soit en paix, qu'il me donne le temps. Oh. Il dit, tous les sages, il dit, non, 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 non. Ils ont cherché, il dit, mais sois en paix. Amen. Va dire au roi qu'il me donne le temps. Amen. Pourquoi? Parce que Daniel, alléluia, connaissait le Dieu d'Abraham. Amen. Et le Dieu d'Abraham, alléluia, connaissait Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, messieurs. Il avait l'assurance. Il dit, moi, je sais où frapper. Amen. Je sais effectivement à qui j'ai affaire, effectivement. Et quand il est revenu, effectivement, il dit, amène-moi vers le roi. Quelle assurance. Amen. Amen. C'est cela que le Seigneur, notre Dieu, dans ce temps, attend de tout un chacun. Ne devons pas être le croyant comme les autres, mesdames et messieurs. Devons être pas comme ceux qui suivent quelque chose comme ça, non. Devons être de ceux qui sont vraiment conscients. N'oubliez pas ce que vous entendez. Ils sont conscients de ce qu'ils sont. Frères et sœurs, Jésus-Christ, notre Seigneur, lui savait qui il était.
Il savait ce qu'il faisait. Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait l'histoire. Si toi, tu dois faire l'histoire de la Odyssée, tu dois savoir qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Autrement, tu es dans la masse de tout le monde, monsieur. Emporté à tout vent, doctrine à gauche et à droite, effectivement, flottant là-bas, par-ci, par-là, avec les masses. Ils vont ici avec charismatique. Et par là, effectivement, tu t'en vas parce que tu n'as pas d'assurance quelque part. C'est ça. Mais si tu dois faire l'histoire, parce qu'il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il est écrit de moi. Donc, il savait. Alléluia. Nous ne sommes pas des appelés à être des adorateurs incertains. Non. Mais Dieu te bénisse, pasteur. Le Seigneur a dit, c'est que Dieu, ce sont des vrais adorateurs. Amen. De vrais qui adorent Dieu en esprit. Amen. Et en vérité. Donc, Amen. Ils savent ce qu'ils sont, monsieur. Amen. Donc, tu dois savoir ce que toi. Tu dois connaître, effectivement, aussi ta position. Parce que tu t'es avancé vers lui. Et lui, maintenant, il doit te positionner. Amen. Et toi, il dit, j'ai vu que tu es mon fils, j'ai été engendré, tu es mon fils, engendré par la parole. Amen. Alléluia. C'est vrai. Amen. Et puisque engendré et né de lui, il te positionne en tant que fils. Et pourquoi, dans les psaumes, nous entendons, les justes ne craignent point de mauvaises nouvelles, Amen. Parce que son cœur est confiant en l'éternel, Amen. Son Dieu. Amen. Ouais. Amen. Oh oui, monsieur. Oh oui, madame. Voyez-vous, frères et sœurs, les choses sont en train de pouvoir changer. Il faut avancer maintenant au rythme et la cadence. Amen. Si tu as perdu le rythme et la cadence, tu ne sauras plus comment marcher. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse. 100% vrai. Amen. Vous le verrez, frère et sœur. Parce que Dieu a. Je pense que ce qu'il avait montré à son prophète, voilà, je pense, hein, quand il voyait le coup, et tout d'un coup, et ils ont perdu les cadences, ils sont sortis de rang. Vous souvenez ? Rentrez dans les rangs. Vous souvenez ? Amen. Ça veut dire qu'il y a une cadence que Dieu a eu à pouvoir instaurer. Alléluia. Donc, toi et moi, frère, le compositeur, c'est lui-même. Amen. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, frère et ma soeur, il y en a un rythme. Amen. Et la cadence est donnée. Si toi, tu n'es pas dans la cadence, on va te voir maintenant aller à bout. Vous savez, c'est problématique. Hein? Alléluia. Quand les cantiques sont conduits ici et que l'onction descend, vous voyez comment le rythme va. Amen. On ne vous supplie pas de vous lever. Amen. Ça vaut de l'éternel. Et on voit que les mouvements vont. Et vous avez une harmonie. Hein? Alors, que dit Selma et vous. Alléluia. C'est vrai. Hein? Il y a quelque chose. Mais quand c'est quelque chose de charnel en vous, même si on chante dit seulement un mot, vous verrez que la cadence n'y va pas. Parce que le cœur n'y est pas. Vous forcez à faire ça comme ça. On sent que c'est là où c'est n'est pas dans le rythme. Et vous ne réalisez pas, frère. Et bien sûr que oui. Quand l'onction descend, tout le monde est tenu, effectivement. Si ton cœur n'est pas à droite, tu vas forcer la marche. Alors si ça ne va pas, ne force pas. Dis Seigneur, mets-moi dans le rythme. Amen. Oh, dans le rythme, mon frère, ça va tout seul. Donc, ça aussi, c'est ce que Dieu fait, mon frère. Amen. Dieu a un rythme, effectivement. C'est ça. Avec un diapason qu'il a donné. Amen. Alors, toi et moi, nous sommes censés ne pas créer notre rythme à nous, mais être dans le rythme diapason de Dieu, mon frère. Et marcher en cela, à ce son-là. Alors, nous avancerons certainement. Amen. Et plus il avance, plus aussi on avance. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas le rythme, tu vas régresser. Amen. Et je dis que tu verras, tout le monde a la joie, mais le frère, il n'est pas dans la joie. Amen. La soeur n'est pas dans la joie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il n'est pas dans le rythme, mon frère. Amen. Il faut revenir. C'est la diapason que Dieu donne. Amen. On doit marcher au rythme. Amen. Et ça, c'est important. Mon frère et ma soeur, s'il y a un temps où le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur doit être tellement si important pour vous, c'est bien le moment. Amen. C'est bien le temps. Pour que
tu sois sûr et certain que réellement que j'appartiens à ce Dieu. Dieu ne prépare pas tout le monde. La préparation n'est pas pour tout le monde, monsieur. Il y a un peuple. La Bible dit, mais son épouse, son épouse. Donc, l'épouse connaît quand même l'époux. Pourquoi l'épouse connaît l'époux? Parce que l'épouse est sortie de l'époux. Alléluia. Et que les sons qu'elle a entendus, effectivement, la ramène effectivement où c'est, où elle était. Donc, elle n'est pas libre. Vous n'êtes plus étranger. Non, monsieur. Un concitoyen, genre de la maison de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Donc, chacun doit réaliser que le temps de jouer, de prendre les choses de Dieu à l'intérieur, ce temps est complètement dépassé. Amen. Le temps aussi de jouer aussi à l'enfantia. Amen. Oui, monsieur, est aussi dépassé. Il faut qu'on soit maintenant des hommes dans les saints qui ont un caractère dans les choses de Dieu. Amen. Parce que si Dieu est devenu ton Dieu, donc si Dieu est devenu ton Dieu, tu es la femme la plus heureuse. Amen. Enfin, ma soeur, même si ton mariage sur la terre est un échec, mais que Dieu soit ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, même si ton mariage sur la terre est un échec, mais que Dieu soit ton Dieu. Amen. C'est le plus grand bonheur, mon frère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que posséder cet homme de Galilée, avoir c'est Jésus de Nazareth. Amen. Mon frère et ma soeur, la Bible dit que tout est en lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Et avec lui, sur la terre. Amen. Mais tout est fini. Amen. Donc effectivement, la tristesse est finie. Amen. Les douleurs sont finies. Amen. Les larmes sont finies. Amen. Alléluia. Amen. Je peux pleurer, certainement c'est vrai. Amen. Mais je ne meurs pas de la tristesse, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que là, il a dit, tout est accompli. Amen. J'ai la victoire. Amen. Mon frère et ma soeur, nous sommes un peuple frère. Amen. Un peuple de conquérants. Amen. Alléluia. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Amen. Le pouvoir sur quoi? Sur toute la puissance. Amen. Alléluia. Quand aujourd'hui, ma soeur, Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Bien sûr, mon frère, Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Amen. Mais il a le pouvoir parce qu'il ignore ce que tu as. Amen. La Bible te dit, c'est lui qui est en toi. Amen. Il est plus grand Amen. Que celui qui est dans le monde. Amen. Mais la victoire qui triomphe ce monde. Amen. Tu t'es dit, non? Amen. C'est notre foi. Amen. Dans ce que le Seigneur est pour nous et ce que nous sommes. Amen. Tu t'es dit, non? Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe ce monde. Amen. C'est que nous sommes nés de lui. Je reconnais que Dieu n'est pas abstrait Amen. Moi, et que moi aussi, je ne suis pas inconnu par Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez voir cela. Sur la terre, c'est des milliards et des milliards. L'espace est tellement si étendu, si loin. Alors, quand tu peux te regarder à ce moment, c'est-à-dire, mais regarde, tu es un homme entre par terre le plus grand en haut, qui peut même écouter. Est-ce que ce Dieu peut même t'entendre, toi? Qui es-tu parmi tous ces gens-là, de quoi, effectivement? Mais en fait, il y a une chose que toi, tu ne sens pas. La chose que Dieu t'a donnée, c'est là qui te maintient, effectivement, dans la position. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Le diable
travaillera toujours pour pouvoir te déloger de cette socle-là, qui est la foi. N'oublie pas. Alors regarde, si lui vient, par exemple, il dit, mais toi, tu es petit là, comment est-ce que tu penses que Dieu, il va te faire raisonner. Raisonnement, l'humain amène le doute. Mais maintenant, dans la foi, il y a aussi un raisonnement. Alléluia. S'il vient et te dit, mais tu es petit, et puis en plus parmi tant, que Dieu est plus bas, Dieu est tellement si haut, tu lui dis, un jour, Alléluia. Il y a eu un homme. Et cet homme-là combattait avec les armées. Un petit bonhomme sur la terre. Lorsqu'il a vu que le soleil s'est couché, il a regardé et s'est dit, mais soleil, il a ordonné lui plus bas. Le soleil était des milliards et milliards de kilomètres, mon frère, entre la terre et le ciel. Il a simplement dit, soleil, arrête-toi. Il était plus bas là-bas de la terre. Quand il a crié, le soleil a entendu. Si le soleil à des milliers de kilomètres de la terre peut entendre la voix d'un homme plus bas comme ça sur la terre, à combien plus fort de raison Dieu qui remplit l'univers, je peux entendre ma propre voix. Et en plus, c'est Dieu, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui est venu vers moi pour que moi je le connaisse et que je devienne son fils. Donc entre moi et Dieu, il y a un lien de filiation. Père et fils. Donc le papa verra toujours sous son enfant. Même s'il est plus haut, il a le désir de voir son enfant. Donc sur la terre, il veille sur moi. Frère et ma soeur. Oh frère et ma soeur. La Bible dit que résister à Satan, c'est une fois faire. Amen. Vous ne pouvez combattre Satan que par. Amen. Et avec la parole de Dieu. Amen. Par le raisonnement. C'est pourquoi vous devez être édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Sur la parole de Dieu, sur laquelle ils étaient mon frère. Amen. Et si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, effectivement, vous ne pourrez pas combattre les vainqueurs. La victoire que nous avons, il est venu vers notre Seigneur. Il a dit, oh, il est écrit. Si tu ordonnes ceci, c'est pas ceci, ou jette-toi de ceci, effectivement, ici. Le Seigneur l'a combattu avec la parole. Il lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia! N'oubliez jamais ça. Nous l'avons entendu jeudi, je pense. Dans toutes les Écritures, vous devez avoir foi dans les Écritures. Et savoir effectivement pourquoi une telle action se fait. Pourquoi Dieu fait telle chose. Dans les Saintes Écritures, ça conduit à quoi? Quel est l'objectif de Dieu pour cela? Qu'il dit autrement, si vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas une Écriture, effectivement, d'où cela est sorti, comme je l'ai dit, votre foi est une foi. Une foi qui n'a pas une source où il doit se nourrir ne pourra jamais faire que vous faites. Sûr et certain. C'est la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi. Vous avez entendu ça? Amen. Une foi sans les œuvres est une foi. Amen. Mais de quelle œuvre il s'agit-il? La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, en fait que personne ne se désire. N'est-ce pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il dit encore plus bas? Éphésiens chapitre. Et bien, merci, oui, oui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Amen. Car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ,
Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Est-ce pas vrai? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les prédiquions. Vous voyez, ce n'est pas ce qui vient de vous, monsieur. C'est ce qui vient de la nourriture que la foi reçoit. Amen. Bien sûr, la foi se nourrit de quoi? Elle doit se nourrir de la parole de Dieu. Car sur la parole de Dieu, elle produit les œuvres de Christ, monsieur. Sur le Saint. Alors, là, nous réalisons, comme il dit, ton Dieu. Psaume 60. Psaume 60. Et ton Dieu à toi, il faut que il soit ton Dieu à toi. Et depuis, c'est disait que oui, certainement, c'est Dieu. Parce que, mon frère et ma soeur, s'il est vraiment à toi, quelque chose doit se passer avec toi. Amen. C'est vrai. Parce que on a posé la question au Seigneur, oh Rabbi, maître Rabbi. Dis-nous donc quel est le premier et le plus grand de tous les commandements. Il y en a 10. Mais lequel est le premier? Lequel est le plus grand? Alors le Seigneur lui dit, oh, voici le premier, voici le plus grand de tous les commandements. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Il faut que d'abord qu'il soit ton Seigneur à toi, qu'il soit l'unique pour toi dans toute ta vie entière. Parce que nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Autrement, c'est une répétition que tu as entendue de la voisine, du voisin, de l'autre, effectivement, que tu as répété. C'est vrai. Nous répétons parce que quand nous disons, dis, répète, effectivement, et puis on répète. Mais quand ça devient quelque chose que tu as eu la révélation, que lui, il te révèle qui il est, comme cela s'est passé avec Pierre, alors à ce moment-là, ce n'est plus pareil. Il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père. Écoute, ô Israël. Éternel, notre Dieu est l'unique, Seigneur. Et puis quand il dit, voilà, puisqu'il est le Saint. Puisqu'il est le Saint. Est-ce que vous entendez? Puisqu'il est le Saint. Saint. Et voilà, tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de tout ton âme. Tu l'aimeras de toute ta force. Amen. Frères et sœurs, voyez-vous, je ne sais pas si vous suivez et vous comprenez. L'amour de Dieu est au-dessus de tout amour. Amen. Qu'on peut nommer ici. Amen. Ce qu'on appelle l'amour de Dieu est que, d'abord, bon, on dit, je l'aime parce qu'il m'a aimé. C'est-à-dire qu'il a déversé quelque chose en toi. Quand je parle de l'amour de Dieu, il faut que vous compreniez maintenant ce que cela veut dire en cet instant. C'est-à-dire que tu l'aimeras de tout ton cœur. C'est-à-dire que tout ton cœur à toi, ton cœur, c'est la Bible qui dit, dois aimer Dieu par-dessus toute chose. Donc Dieu est censé être le centre, effectivement, de ta vie, de ton âme, de tes pensées, de ce que tu as dit, mais de tout ton cœur, de tout ton âme. Là, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? De toutes tes pensées, de tout ton être. Ça veut dire que moi, je suis censé pouvoir être prisonnier. Pas prisonnier de ma femme, pas prisonnier de mon mari, pas prisonnier, effectivement, de mon fils, de ma fille, de mon bébé, de tout ce que vous avez, effectivement. Je dois premièrement, écoutez s'il vous plaît,
Ceci, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour le Fils et le Fils. Amen. Alléluia. Je dois être 100%. Donc, le premier 100%, effectivement, totalement attaché à Dieu. Amen. Alléluia. De telle sorte que quand Dieu vient et se tient là, même si c'est la viande que tu aimes manger qui est tellement là que quand tu ne manges pas, tu tombes malade, il te dit que moi, je ne veux pas que tu manges cette viande. Voilà. Alléluia. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je te dis que cette viande que tu aimes là, je ne veux plus que tu la manges. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Parce qu'il s'agit de la chose qui te tient à l'âme, à l'esprit, à toi, qui fait le bonheur et ton sang en toi. Et lui, il vient. Il dit que ça, je ne le veux pas. Vous avez entendu? Tu l'aimeras de tout ton âme. Amen. Tout ton cœur, toute ta pensée, tout ton être. Amen. Et te dit, ça, je ne le veux pas. Comment tu vas réagir? C'est cela que tu vas voir le degré, effectivement, de ta foi, de l'amour, de la tenue, ma soeur, de la relation. Et tu as, parce que frère, Dieu ne va pas prendre des déchets pour le ciel. Non, voilà. C'est pas un ramassis comme les éboueurs, monsieur. Non, monsieur. Nous allons le voir parce que je vais en partir un peu plus vite. Oui, monsieur. Oui. Il y a eu un homme. Vous vous souvenez? Abraham. Son nom. Dieu, il vient, j'aime Dieu parce qu'il nous connaît. Amen. Il y a Abraham, mon serviteur. Prends ton fils, il hésite bien. Amen. Ton fils, ton unique là, celui que tu aimes bien là. Vous entendez ça? Celui que tu aimes là, tu le connaissais. Que l'âme d'Abraham, le cœur d'Abraham, les pensées d'Abraham étaient dans les âmes, monsieur. Voilà. Oh, Abraham ne vivait que dit, mais Seigneur, je vais même partir maintenant. Isaac est là, je sais que je m'en irai. La possibilité continuera, monsieur. Dieu, il vient lui dire, mais prends cet enfant-là, ton Isaac, pas un autre, pas Ismaël, ton Isaac. Celui que tu aimes tant, que tu as la joie de voir effectivement ton bonheur à toi. Prends-le, Abraham. C'est ça. Alors viens avec lui, mais l'offrir, il faut couper la tête comme on coupe la tête d'un agneau. Alléluia! Amen. C'est ça, Dieu. C'est vrai, tu peux te dire, oh moi, mais Dieu a eu des hommes, monsieur. Amen. C'est ça. Tu peux te dire, moi je ne peux pas, mais Dieu a des fils. Amen. Et des filles qui préparent, monsieur. Amen. Des gens capables de leur vie pour la parole de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Amen. Dans ces temps, monsieur. Oui. Abraham s'est levé le bon matin, il ne jouait pas la comédie, monsieur. C'est ça. Il était sincère. Amen. Il a scellé son âme avec ses serviteurs. Il arrive là. Il dit, vous, vous resterez ici. Moi et l'enfant, nous monterons là-bas. Pour aller adorer notre Dieu. Et moi et cet enfant. J'aime des hommes qui aiment Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des pantins qui. Ah Dieu. Non, non, non. Ils connaissent Dieu. Amen. Sur quelle base ou sur quoi la foi d'Abraham était basée? Sur ses pensées? Sur l'imagination? Sur l'écriture. Amen. Sur la parole que Dieu. Quand il parlait, frères et sœurs, tu dois savoir tes pensées. Quand Abraham parlait à ses serviteurs, il était certain de Dieu. Amen. Il dit, moi l'enfant, nous avons dit non. Nous partirons pour aller adorer. Moi ici et l'enfant, nous reviendrons vers vous. Vous voulez qu'on le lise? Parce qu'on peut se poser la question, il dit, mais il me répète, peut-être qu'il est en train de faire plus de commentaires. C'est écrit dans Genèse au chapitre 22. Que Dieu te bénisse, pasteur. Lisons ici. Ah. Voilà. Merci. Chapitre 22, Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, voici,
Dieu dit, prends ton fils. Vous l'entendez? Ton unique, celui que tu aimes. Isaac. Et va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le. Vous connaissez cela? Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. J'aime Dieu. Non. Amen. Je l'aime beaucoup. Il est merveilleux. Amen. Et Dieu te bénit. Il dit, mais ton dit, prends-le, viens me l'offrir. Dieu lui a parlé. Abraham aimait tellement Dieu, frère. Quand il entend la voix de Dieu, il n'a pas discuté. Il dit, prends-le, ton fils. Amen. Et Abraham s'est levé, monsieur. Il a pris son fils qu'il aimait tant. Et il monte avec lui. Et nous lisons, il dit, verset 3, il dit, Abraham s'éleva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. On n'a pas entendu qu'il est allé voir Sarah, dit, et viens un peu ici. Et tu dis, non, mais je voulais te parler. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Et tu dis, viens un peu, et embrasse Isaac. Embrasse Isaac. Parce que je ne t'ai pas embrassé Isaac quand même. Je te dis embrasse-le, embrasse-le. Alléluia. Ah oui. Vous connaissez, non? Mais ce n'était pas comme ça. Il ne s'est même pas occupé de ça. C'est ça. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut connaître Dieu. Amen. C'est pas historique, c'est pas histoire comme tu vois un frère aujourd'hui, ça va, demain ça va pas. Messieurs, c'est douloureux, madame, c'est douloureux, mon frère. C'est pas normal, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu montres déjà par nature que tu n'es pas bon pour le ciel. C'est vrai. C'est vrai, monsieur. C'est juste. Amen. C'est juste. Vous pouvez justifier en croyant que Dieu. Et si vous croyez que Dieu vous parle, c'est que c'est Dieu qui vous parle. Amen. Amen. Alléluia. Ce jour-là, vous ne direz pas, Seigneur, vous n'avez pas entendu. Tu l'entends, mon frère. Tu l'entends, mon frère. Il sera à son âme de bon matin. Avec assurance, effectivement, avec qui dit. Et avec lui, et il prit, verset 3, avec lui, deux serviteurs et son fils Ida. Il fendit donc du bois pour l'holocauste. Il était sérieux. Oui. C'était pas une comédie. Donc, il était sérieux que c'était la chose que Dieu a demandé. Il fendit bois et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Obéissant toujours. Et nous continuons. Le troisième jour. Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et moi, je reviendrai auprès de vous. Non, messieurs, et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Non, cet homme, mon frère, il avait foi en son Dieu. Amen. Cet homme, mon frère, il était attentif quand Dieu lui parlait. Amen. Oh oui, quand Dieu vous dit, faites attention, tenez comme une habitude pour vous, mais vous serez jugé, monsieur. Un élu, il est très attentif. Amen. C'est un des caractéristiques que Dieu lui donne. Amen. C'est juste. Et Dieu te bénisse. Et quand, parce que quand Dieu parle, il y a quelque chose dans l'être qui s'élève en lui. Ça, c'est la nature toujours en alerte. Quand Dieu parle, il y a quelque chose pour moi. Il n'est pas distrait. Non, non. Quand vous êtes distrait, vous devez savoir que vous êtes sorti en fait de la voix. Quand on se tient et que Dieu parle, on est dans un état, Seigneur, parle mon Dieu. Mon cœur bouillonne, je le veux, tu le veux, tu le veux, Seigneur. Et parfois, on est tellement assis qu'on ne voit pas l'heure passer. Amen. Amen. Ça arrive. On ne voit pas l'heure passer. Bon, c'est parfois quand je jette un petit coup d'œil sur la route que parfois quand on est. Alors, ici, il dit. Alors, quand il est monté, il monte avec son fils Isaac. Calmement, tranquillement. Vous voyez ses pas quand il avançait. C'est comme ça qu'un fils de Dieu et une fille de Dieu, quand il a confiance en Dieu, il marche avec les pas assurés. Amen. Il n'est pas inquiet. Il marche effectivement avec assurance. Le fils regardait les pas du père. Il voit que papa, il est rassuré. Il dit, mais papa va vraiment offrir vers l'Holocauste. Il dit, quand je vois mon père, je sais que là, c'est quelque chose de sérieux. Il est dans son sérieux. Amen. Il dit, ici, il va te voir le service. Alors, Dieu entre en scène. Amen.
Isaac pose la question à son père. Oh Dieu du ciel. Père. Et lui, papa, avec sérénité, il répond, mais voici mon fils. Voici papa, écoute. Voici donc. Voici donc, Elia. La foi que tu vas offrir, il y a toujours un agneau. Aujourd'hui, nous montons avec toi, Dieu sait prouver les autres. La Bible dit que Dieu mit à l'épreuve Abraham. Abraham ne savait pas. C'est toi et moi qui lisons. Amen. C'est toi et moi qui lisons maintenant, nous voyons les tableaux. Lui ne savait pas. Comme Jean ne savait pas non plus. Mais leur force était basée sur quoi? Sur ce que Dieu avait dit. Alléluia. Parce que Abraham savait la relation qu'il avait avec Dieu. Tu dois aussi être certain de la relation que tu as avec Dieu. Amen. J'aime l'apôtre Paul. Mais moi ici, je cours non pas comme un aventurier. Amen. Non pas comme battant l'air. Amen. Donc cet homme, il savait effectivement que ce n'est pas un jeu. Il dit, mais j'ai fait tout moi pour avoir part à l'évangile. Oui. À ce moment-là que le fils pose la question à son père. Écoutez là, papa. Le feu est là aussi. C'est aussi. Je dis à nous avons. Alors, papa. Avec autant d'amour et de respect à l'homme de son père. Mon papa. Où est donc l'agneau? Ah, où? Le sacrifice. Frères et sœurs, il faut être un homme qui aime Dieu. Amen. Pour ne pas tomber dans les larmes. Et commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait sur la terre? Moi, j'étais servi quand même. Qu'est-ce que. Je vais te faire dire, papa, qu'est-ce qu'il y a? Mon enfant, ne pose pas trop de questions. Tu dis, me vois ici, moi, ton père ici. J'ai servi Dieu, mais comme tu me vois aujourd'hui, non. Papa me dit, mais où est l'agneau pour les sacrifices? Le père n'a pas bouché. Il a dit, mon fils, le Dieu du ciel, il s'est pouvoir. Alléluia. La parole que vous prononcez à la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, Dieu aime voir l'homme. Amen. Amen. Jusqu'où il va aller? Il a eu la victoire, effectivement, sur ce point-là. Maintenant, Dieu l'a observé. Maintenant, ils sont avancés, effectivement, et avancés. Et tout d'un coup, l'enfant, il voyait que son père lui avait dit cela. Il voit que le papa le prend. Autour, il ne voit pas l'union, tout ça, rien et tout. Mais il voit le père qui dit, ah, mon fils, approche. Oh, j'aime. Amen. Il prend le lien. Il commence à lier son fils. Il n'avait pas de larmes pour lesquelles il priait, mon frère. Non, lui, son problème. Le problème d'Abraham, c'était Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, frère, ça. Si tu peux arriver à ce point. Tous tes problèmes sont terminés. Alléluia. Amen. Tous ces soucis sont terminés. Alléluia. Les soucis viendront. Regarde comment on va me réagir. Tu seras au-dessus. Amen. Le maître l'a dit. Qui par ses inquiétudes, ses soucis, pour ajouter une poutée à la durée des âges. Qu'arrivera-t-il, oh Dieu? Qu'est-ce qui va se passer, oh Dieu? Comment les choses vont aller, oh Dieu? Mais en fait, c'est Dieu dont tu dis, oh Dieu, mais il t'a déjà parlé. Amen, amen. Vraiment. Mais Dieu, en ce qui concerne ton avenir, il t'a déjà parlé. Amen. Tu n'as pas besoin de téléphoner au 0420, madame, voyante, me dit, mais vous allez téléphoner à des gens qui n'ont même pas la vue. Vraiment.
toi, tu vois plus loin que cette Amen. Personne qui est un fils de Satan. Oui. Quelle est la chose qui se passe que ton père te dit? Vraiment. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que tu ne le vois pas parce que tu n'es pas fils. Mm-hmm. C'est vrai quand même. C'est vrai. Et tu l'as dit. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment mon avenir sera? Et tu l'as dit. Amen. Toute âme forgée contre elle. Amen. 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 Toute arme forgée contre toi. Amen. Amen. Que ça soit aujourd'hui. Amen. Que ça soit demain. Amen. Que ça soit dans 2000 ans. Amen. Sera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas un homme qui te l'a dit, monsieur. Ça, c'est ton Dieu à toi. Amen. Donc tu sors, tu pars, tu dis je pars victorieux. Les combats viendront. Mais la victoire, je l'aurai. Et je sais que je veux arriver. Amen. Pourquoi il a dit Amen. Toute arme forgée. Alléluia. Amen. Sera sans effet. Amen. Et ça, c'est absolument important. Amen. Mon frère Saché, tu veux bien aider le frère. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mm. Et ça, c'est parce que Dieu, le Seigneur lui-même, te l'a dit. Puisqu'il te l'a dit. Puisqu'il te l'a fait savoir, Amen. Effectivement. Alors c'est sûr, Satan. Tu marches sur ce chemin, effectivement. Oh, David a dit que 10 000 campent à ma gauche et à ma droite. Je ne serai plus mort. Amen. Amen. Alléluia. C'est juste. Amen. Oh oui. Alléluia. Vous savez ce qui est écrit plus bas? Puisqu'il me connaît. Amen. Puisqu'il m'aime. Amen. Je le protégerai. Le temps n'est plus, monsieur. Amen. Lève-toi. Amen. Sois éclairé. Amen. Amen. Marche dans les ténèbres, t'attendant. Seigneur, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Non, monsieur. Amen. Pour toi, tes lendemains sont assurés. Amen. Alléluia. Amen. La maladie frappera certainement, mais la guérison est avec Amen. Toi. Il n'arrive pas à te mettre par ses maîtrisseurs. Tu as la guérison, monsieur. Alléluia. Même si elle tarde, je la possède. Oui. Amen. 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 Vous connaissez le monsieur pour lequel notre frère Branham avait prié? Amen. L'aveugle. Amen. Il est venu dans les bras. Il a prié pour lui. Il est retourné. Vous vous souvenez, non? Amen. Il dit, mais pasteur, tu as prié pour moi? Je ne vois pas. Il dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Certainement que j'ai prié pour toi. Mais puisque j'ai prié pour toi, tu es guéri. Amen. Amen. L'homme était respectueux. Amen. Quand votre pasteur vous dit quelque chose, si c'est un homme que Dieu a établi, quand Amen. Il vous dit quelque chose, obéissez. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. La plupart des temps, ce oui. que les âmes combattent contre leur pasteur. Amen. Quand vous le faites, vous êtes sous la malédiction. Malédiction totale. Quand vous combattez votre pasteur, oui. vous pouvez changer d'église. Oui. Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez jamais avoir plus de connaissances que votre pasteur. Jamais. Vous pouvez monter en haut, oui. descendre, que je lis, que non. Oui. Dieu donnera davantage plus Amen. Pour vous. Et si vous êtes de Dieu, vous l'obéirez. Amen. Vous le respecterez. Amen. Quand il vous dit quelque chose, ce n'est pas l'homme. Non. Mais c'est Dieu par sa bouche qui vous parle. Amen. Il dit ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Amen. Maintenant, le choix est à vous. Amen. L'homme a obéi. Et il est parti. Il était avec. Vous ne voyez pas. Bénédiction spéciale. Amen. Ah, je pense à ma sœur. Amen. Bénédiction spéciale. Où est-ce qu'il y a? Ah, je vois. Je vois. Eh oui, monsieur. Il va les journaux. Il dit, mais ça ne va pas. Bénédiction spéciale. Je vois. L'homme a entendu ce que son pasteur lui a dit. Amen. C'était contraire à ce que tout le monde fait partie de l'Église. Bénédiction spéciale. Je vois.
Mais mon pasteur m'a dit que je vois. Il a prié pour moi. Je vois. Oh, aïe, 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 aïe. Comment est-ce que tu peux croire comme ça jusqu'à... Il dit, mais il m'a dit que je vois. Parce qu'il a prié pour moi, moi je vois. Amen. Mais c'est la suite, non? Oui. Chez les barbiers. Amen. Et j'ai entendu que ton pasteur là, il est là, il a prié pour toi. Pour se moquer, parce que quand quelqu'un se moque de votre pasteur, vous associez aussi. Hein? Amen. Vous pouvez réaliser une chose. Quand vous vous associez à la personne qui était votre pasteur, vous venez encore de l'assemblée, vous amassez des malédictions sur vous. Il vaudrait mieux que vous alliez avec cette personne, vous éviterez effectivement de pouvoir amasser la malédiction sur vous. Quand vous ne l'aimez pas, il n'est plus celui que vous croyez que Dieu vous a donné. Changez. Quittez les lieux, allez où vous sentez que là, il est l'homme que Dieu... Parce que ce n'est pas normal que toi, tu es dans une assemblée ici, tu vas manger à gauche, à droite, je ne sais pas moi, tout ça, et puis tu reviens. Gloire à Dieu. Tous ceux qui détestent ton pasteur sont tes meilleurs amis. Quel est l'esprit que tu veux... Alors, tu... c'est normal que quand Dieu parle, tu n'avances pas. Tu ne veux pas écouter. Je ne veux pas. Mon frère et ma soeur, mais oui. Mais c'est important que vous compreniez. Il faut que vous preniez une position. Amen. 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 Soit tu es pour la parole, ou soit tu es pour ta parole. C'est ça. Tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Amen. C'est ça. Alors qu'il dit, oui, mais on a entendu qu'il a prié pour toi. Il méprisait, il faisait elle et son pasteur, et lui-même. Il dit, oh non, monsieur. Il a prié pour moi, moi je vois. Amen. Quand il a reçu mon âge, qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux, c'est sur vous. C'est votre problème. Votre respect, effectivement, Amen. Aux yeux. Ce que Dieu vous a dit. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, de pouvoir avoir du respect pour les hommes de Dieu. Amen. Le respect au Saint-Esprit. Quand vous manquez du respect à votre serviteur, au serviteur de Dieu, pardon, vous manquez du respect à Dieu. Amen. Amen. Mm-hmm. Quand vous le méprisez, vous méprisez Dieu. Oui. Abraham prend son fils et l'étale sur les rois. Isaac n'a pas pleuré. Isaac n'a pas crié, il ne s'est pas débattu. Parce qu'il voyait combien son père était saint. Et voilà que pendant qu'il l'a étalé, Dieu ne disait rien. Absolument rien. Il voulait voir jusqu'où cet homme peut aller à cause de l'amour d'endroit de ses dieux pour la parole que Dieu a dit. Alléluia. Prends ton fils, ton unique là, viens pour le frère. Et Abraham, il a étalé son fils. Et Abraham maintenant, parce que avant de frire, il faut quand même que la tête soit coupée. Abraham prend le couteau. Déterminé, madame, mesdemoiselles, messieurs. Il fait sortir le couteau. Il lève le couteau parce qu'Abraham, oh Dieu soit béni, voulait vraiment enfoncer le couteau dans son fils Isaac. Il a levé la main et il y allait au fer. Il entend l'enfant qui dit, monsieur, Abraham, Abraham, arrête. Alléluia. Oh Dieu du ciel. Il dit, voici, j'ai vu que tu aimes Dieu. J'ai vu que tu crains Dieu. Tu seras béni. Mon frère et ma soeur, mon cœur est touché. Mon frère, c'est plus profond. Si vous demeurez toujours insensible à la parole de Dieu, ne pensez pas que vous irez au ciel. Bon. Il n'y a pas de place pour toi, mon frère. Il n'y en a pas de place pour toi, ma soeur. Si ton cœur reste aussi dur, il n'y a pas de place pour toi aussi. Tout ce que tu fais, tu ne commets pas. Dieu va le regretter un jour. Et priez que Dieu accorde la grâce. C'est ainsi qu'Abraham
descendit avec son propre fils. Quand il a vu ça, c'est pour ça que le Seigneur Jésus, ces jours-là, il s'est tenu. Quand il disait, c'est lui qui entend ma parole et garde ma parole, ne mourra point. Les autres chrétiens, se croyant, effectivement, je lui dis, mais tu es, on dit, c'est pour ça que tu es un démon, tu es un samaritain. Qui prétends-tu et dit que si quelqu'un garde ma parole, ne pas la mort, es-tu plus grand que notre père Abraham? Et les prophètes qui sont morts. Il leur dit, mais si moi je disais que je ne connaissais pas Dieu, je serais menteur pour vous. Mais je le connais. Amen. Abraham, votre père, avant qu'Abraham fût. Amen, amen. Avant qu'Abraham fût. Alléluia. Moi, je suis. Amen. Et Abraham, votre père, il a vu mon jour. Amen. Et il s'est réjoui. Amen. Amen. Vous savez que quand il a offert Isaac, effectivement, là, quand il a reçu dans ses bras, c'était comme une résurrection. Amen. Que les proches avaient trouvé. Amen. Amen. Les hommes qui ont servi Dieu de tout leur cœur, effectivement, ont vraiment aimé Dieu. À tel point que ce qui les importait, ce n'était pas ce que qui les préoccupait dans leur esprit, leur pensée. Mais c'est ce qui a apporté, c'est ce qui a apporté Dieu dans sa parole. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force. Et moi, c'est vraiment dit. À tel point que tu aimes tellement manger cette viande-là qui fait du bien dans ton corps, la bonne santé, et quand Dieu vient te dire, n'en mange plus. On ne va pas te voir avoir des remords. Oh, oh, c'est pas possible, on n'aime pas. Non, non. Quelqu'un dont Dieu a dit, ça c'est pas bon pour toi, parce que je ne veux pas pour toi ça, comme nourriture, il a Amen. Amen. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance qu'il revient à l'endroit de son Dieu. Avec reconnaissance, Seigneur, puisque ce que je mange ici ne te plaît pas, mais pas à toi. Amen. Ce que tu veux que je fasse, dis-le-moi et je le fais. Amen. Et cet homme ou cette femme a une relation profonde avec Dieu de telle sorte que Dieu est au-dessus de tout ce qu'il peut pouvoir désirer. Amen. Parce que avoir Dieu, c'est vraiment la réponse à tous ses désirs. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Loué, il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que dans le psaume, il dit, mais Seigneur mon Dieu, mes désirs sont devant toi. Je le sais. Il connaît ce que tu veux. Il connaît ce que tu veux, ma soeur. Dieu est un bon Dieu. Amen. Ce qu'il veut pour toi, c'est ton bonheur. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Amen. Dieu est disposé à pouvoir te le donner. Amen. Mais il veut donner à son fils qui est dans la volonté de sa parole. Amen. Parce qu'un fils de Dieu demandera quelque chose selon la volonté de son Père. Alors, c'est comme cela qu'on peut avoir maintenant une relation en disant, c'est Dieu et mon Dieu. Puisqu'il est mon Dieu, tout ce qu'il me dira, je le ferai. Il a dit à Abraham, voici l'alliance. Tout mal parmi vous sera circoncis. Un mal qui n'a pas circoncis sera exclu de mon alliance, effectivement, et de mon peuple. Quand Abraham a entendu cela, à son âge avancé, il s'est laissé circoncis, monsieur. Oui, madame. L'obéissance. Quand Dieu a établi une relation avec toi, en sorte qu'il est ton Dieu, tu deviens obéissant. Amen. Amen. Obéissant, amoureux, la joie de ses dieux, confiant, donc il devient tout. En fait, c'est d'abord Dieu et le second vient après. Amen. 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 Pour mes études, moi je veux être docteur en médecine. Je veux être docteur en médecine. Mais quand Dieu dit non, toi, vous me suivez? Amen. Si vous vous sentez fatigué, au moins la tête devrait sortir. Si quelqu'un ne sent pas bien, mon frère, je vous achète pour ouvrir la porte. Vous pouvez sortir et aérer pour vous sentir un peu dégagé. Si ça ne va pas, on peut prendre votre
pasteur, le maître, la Maria. Vous ne sentez pas bien, sortez, puis revenez. Seigneur, je veux devenir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va être juste par le temps. Je veux devenir médecin. Ah ben oui. Je voulais devenir médecin. Nous avons dans nos études, dans nos ambitions. Donc, moi, j'étais. Cette ambition-là, je voulais, parce que tout ce que j'avais fait comme formation d'études était toujours tourné vers la médecine. Je voulais, je le voyais moins médecin. Là-bas, frère, à ça n'est qu'elle part là. Grand docteur avec ce côté qui venait, docteur avec ce, mais quelle orientation. Vous m'avez jamais posé la question, mais frère, tu cherchais à être médecin, mais quelle spécialité? Donc vous comprenez comment Dieu change la vie des gens. Moi, je cherchais des gynécologues. Donc, vous pouvez voir, donc le frère faisait sa médecine pour mon frère être gynécologue. Dieu est bon, hein? Amen. Dieu est vraiment bon, vraiment merveilleux. Parfois on dit, oh, pourquoi on me change? Dieu savait changer la voix de mon Dieu. Oh, je veux, mais c'est gynécologue. Même pas c'est pour le muscle, mais seulement gynécologue. Que Dieu soit béni. Amen. Voyez comment Dieu change la marche des gens. Amen. Et à ce moment, la porte est fermée. J'ai été dit, mais tu ne veux pas continuer. Et puis de là, Dieu change. Pour dire qu'effectivement, que nous pouvons avoir des désirs. Nous, effectivement. Mais en fait, il faut que Dieu soit d'abord placé au-dessus. Ce qui vient ensuite, même si ça ne correspond pas vraiment à ce que moi j'attends. Même si ça ne correspond pas à ma vision. C'est ça. Mais puisque Dieu a voulu comme ça, alors je l'ai glorifié, monsieur. Amen. Pourquoi? Parce que ma réussite sur la terre, je l'ai déjà. Amen. Puisque le fait de l'avoir comme mon Dieu, monsieur, j'ai déjà ma réussite sur la terre. Vous voulez avoir une maison et Dieu. Amen. Quand vous avez Dieu, la maison vous l'avez. Amen. Amen. Dieu toujours il va pouvoir me dire ici, un fils de Dieu ne pourra jamais être sans Amen. 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 Tu peux arriver à un tel moment difficile, mais pas Dieu pouvoir. Amen. Ton Dieu. La chose qui manque, effectivement, c'est la foi, la confiance profonde dans ces dieux, parce qu'on n'a pas une relation avec lui. On a simplement un esprit religieux. L'esprit religieux, c'est le pire. Amen. Il te fait croire, effectivement, que tu es arrivé alors que tu ne l'es pas. Et donc, tu as l'esprit de Dieu. Alors, il te dit une chose. Ton Dieu te dit à toi. Vous êtes bien, psaume 68. Psaume 68, verset 22. Psaume 68. Ton Dieu, c'est Dieu-là. S'adressant à toi en tant que fils, en tant que fille, afin qu'il sorte de lui, il ordonne, dit, ton Dieu ordonne que toi, que tu sois faible. Non, monsieur. Il dit que tu sois puissant. Amen. Donc quand Dieu dit que tu sois puissant, il dit, mais il ordonne que toi, tu sois puissant. Amen. Alors s'il a dit que tu sois puissant, ne sois pas dans la faiblesse, monsieur. Amen. Sois toujours dans la force. Amen. Pourquoi? Regardez, frère et soeur. Ceci est quelque chose de très important. Lorsque Moïse, serviteur de Dieu, parti, Dieu vient vers cet homme du nom de Josué. Josué au chapitre 1. Après les deux, elle dit. Josué traverse la vie. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort.
Maintenant, lève-toi. Passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Yes. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Yes. Comme je l'ai dit à vous. Yes. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Il s'adresse effectivement à Josué. Amen. Vous souvenez de Josué, effectivement, frères et sœurs, ce qui l'a marqué, et ce qui a fait qu'il soit marqué, c'est que quand les enfants d'Israël sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils ont été envoyés effectivement là-bas, les espions, pour aller voir le pays dont on avait parlé, effectivement. Ils sont tous allés, ils sont rentrés. Le groupe qui est venu l'a dit, ah, le pays est comme il l'a dit, mais nous ne sommes pas capables. Il y a des fils d'Anak et tout cela. Josué et Caleb, quand ils sont venus, ils ont dit, mais qu'il y ait des fils d'Anak, ou qu'il y ait quoi que ce soit, nous sommes plus que capables. Parce que l'Éternel l'a dit, cet homme s'est basé sur la parole de Dieu. Il dit, puisque l'Éternel a dit, nous sommes plus que capables. Nous pouvons prendre possession. Malgré que les yeux montraient le contraire. Alléluia. L'homme disait, non monsieur, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que Dieu savait ce qui allait se passer. Amen. Il a dit, mais je vous le donne. Donc nous le possédons. Amen. Alors prenez possession. Amen. Alléluia. Comme cela que Dieu a eu à montrer qui était Josué. Et puis il dit à Josué, verset 7. Il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Dieu vient devant un homme. Alléluia. Oh, il y a cet homme-là, comme il te dit, Alléluia. Il ordonne que tu sois puissant. Amen. Toi, un fils de Dieu, toi, une fille de Dieu, Amen. Sois donc puissant. Amen. Il dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il dit, Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Donc, Josué marchait sur la terre. Il savait quelle était la position que Dieu lui avait donnée. Et puis, il lui dit, écoutez très bien, il dit, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Allez, dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Dieu qui dit cela à un homme, monsieur. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Mon frère et ma soeur, il y a une alliance que toi, tu as avec Dieu. Amen. De tous les âmes sur la terre, de tous les croyants sur la terre, il n'y a que toi que Dieu a choisi. Amen. Et si Amen. Dieu t'a choisi Amen. Et qu'il a fait de toi ce que tu es devenu, jamais Dieu ne t'abandonnera. Amen. Ô frère et ma soeur, comme Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jusque dans la vieillesse, Dieu était avec Moïse. Et quand même Moïse est rentré à la maison, effectivement, Dieu a veillé sous le corps de Moïse. Et plusieurs centaines d'années plus tard, on a vu Moïse vivant sur la montagne à transfiguration. Alléluia. Regardez son serviteur. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand Pierre prend cette écriture, il dit c'est avec assurance. Parlant de l'épouse, parlant du peuple de Dieu, que nous pouvons dire avec certitude que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Et pourtant c'était à Josué. Sur le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il s'agit de ce Dieu qui était en Josué, qui est maintenant Amen. Ici en toi, mon frère. Amen. Et puis il dit, écoutez,
Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ça veut dire quoi? Sois fort. Amen. Alléluia. Sois puissant. Amen. Alléluia. Parce que je t'ai appelé. Oh. Tu sais pourquoi je t'ai appelé. Amen. Je t'ai parlé parce que je suis ton Dieu à toi. Amen. Comme je l'ai été avec Moïse. Je suis devenu aussi ton. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne te fais pas, ne te pouvant point. Il fortifie-toi et prends-toi. Alléluia. Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de l'époque. Fortifie-toi, Seigneur, et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrite, ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ces livres de la loi ne se lèvent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9 dit, ne t'élège pas de, ne t'élège pas de cet homme. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Quelle assurance, mon frère. Amen. Oh oui, quand Paul tourne ce regard vers Timothée, il lui dit une chose dans le livre de Timothée. Deuxième épître de Timothée, deux épîtres de Timothée, chapitre 1. Verset 1 dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous suivez? Amen. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi, la paix de toi. Les rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en moi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui j'en suis persuadé habite aussi en toi. Maintenant, prêtez attention. Verset 6 dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. À ranimer, c'est-à-dire à ranimer la flamme du don de Dieu. Allez, effectivement, qu'il y a quelque chose qui doit arriver à pouvoir se faire en lui. Il faut que l'étincelle, la flamme, effectivement, de la chose qu'il a, se mette encore en action. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais le don est là. Mais il faut qu'il y ait la flamme pour pouvoir la ranimer. Il faut que cette chose qui est en toi soit ranimée. Sois fort. Amen. Écoutez d'abord, il dit ceci. Jésus se dit, mais car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Amen. Et donc il dit, mais Dieu dit, mais il ordonne que tu sois puissant. Il dit, ne te fais point devant ton point, au frère et ma soeur. Et là, il nous dit, n'aie point honte de rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 10,
je pourrais peut-être m'arrêter de continuer la profession si tu veux parler. Et je voudrais que vous puissiez voir ces choses qui sont très importantes. Après, c'était 2 verset 10. Il dit ceci. Le Seigneur dit, verset 10, dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, je dirai quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Le Seigneur, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Vous savez ce que c'est que la fidélité? En fait, je veux que vous fassiez abstraction ici de fidélité qu'on parle dans le cadre de mariage, parce que souvent c'est bien d'abord. Je veux que vous entrez dans la parole de Dieu. Amen. Il parle effectivement, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Mais fidèle à quoi? Fidèle à qui? Mon frère et ma soeur. Si nous regardons dans le livre Apocalypse au chapitre 19. Vous remarquerez effectivement à partir du verset 11 ce qui est parlé effectivement du Seigneur et de la relation qui est mise en relation avec les réalités. Chapitre 19 d'Apocalypse, verset 11, regardez ça. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, il s'appelle fidèle et véritable. Et il fait quoi? Il juge et combat avec justice. Alors, regardez, frères. Pour que toi, tu sois fidèle, tu dois combattre pour garder effectivement cette position de fidélité. Amen. La fidélité marche avec le combat. Amen. Paul dit à Timothée, allez, là, regardez quelque chose. Dans le livre de Timothée, il pense toujours à Timothée, je pense que c'est celui-là. Mais que vous voyez cela, il est beau. Oui, c'est un Timothée, chapitre 1, le verset 10. Le verset 10 dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6. Et ceci, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, cherche la justice, la vérité, la foi, l'amour, la patience. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vous voyez qu'effectivement, que le combat dont on parle, effectivement, c'est le combat de la foi. Amen. Au pouvoir demeurer fidèle dans les choses de Dieu. Il faut réellement combattre le combat de la foi, c'est-à-dire que résister à toutes ces choses qui sont extérieures. Amen. Écoutez, dans le Saint des Écritures, 2 Timothée, chapitre 4, Paul
dit à Timothée, j'ai tant qu'on joue devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, il doit juger des vivants et des morts. Pourquoi il veut lui dire une telle chose? Elle lui dit, Timothée, mon enfant, prêche la parole. Vous suivez? Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprends, censure, exhorte. Vous suivez? Amen. Il dit, mais car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Amen. Mais toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ils vont se donner une foule de docteurs et ainsi de suite. N'est-ce pas vrai? Ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le phare. Mon frère et ma soeur, même dans les milieux religieux, que ce soit ce qu'on appelle ceux qui ont reçu le message, comme ils disent effectivement, il y a toujours une pression et ce qu'on appelle des tendances. Si tu n'es pas dans une tendance, tu n'as pas non plus la communion avec cette tendance. Et cette tendance aussi, que ce soit dans le monde catholique, religieux, etc., tout, se reproduit aussi sur les âmes, sur effectivement, sous la conduite de cette pression en réalité. Prenons un exemple, effectivement, juste un exemple, à l'habillement. À l'habillement. Toute femme sur cette terre a besoin de mettre son corps en valeur. C'est pas vrai? Amen. Vous ne pouvez pas me faire mentir. Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas vrai. Chaque femme sur cette terre, dans ce monde ici, a besoin de mettre son corps en valeur. C'est vrai. Vous étiez de ceux-là, ma soeur. Amen. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas vrai. On a vous déjà. Oh non, pardon. Non, monsieur. Vous étiez de ceux-là. Chacune de vous, quand il se regarde, il dit, moi j'ai le corps, moi j'ai le corps. C'est ça qui fait de vous cette femme, non? Vous mettez votre corps en valeur, vous voulez que les hommes voient votre corps et apprécient ce que vous êtes. Ah, je sais que ça ne plaît pas, ça choque, mais c'est la vérité. Amen. Quand vous vous habillez, vous cassez le miroir? Non. Vous cherchez le miroir? Non. Ça vous gêne, non? Non. Vous cherchez le miroir? Oui. Pourquoi cherchez-vous le miroir? Ton Dieu à toi ordonne que tu sois puissant. Amen. Puissant pour moi, pour résister mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Tout ce qui est comme pression. Amen. Alléluia. Qui fait que, non, tu vois, tu es jeune, tu ne peux pas être comme cela, c'est comme des vieilles. Non, madame. Amen. Je suis jeune, c'est vrai. Amen. Mais il y a quelque chose qui est venu en moi, monsieur, Amen, qui m'a fait comprendre qui j'étais. Amen. Hier, j'étais une prostituée. Amen. Mais aujourd'hui, non, madame. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit des modèles qui sortent parmi ceux qui se disent des chrétiens. Tu vois, maintenant c'est là. C'est long. Et comme ça vous sert, on sait plus très bien où il faut mettre les yeux. Si elle passe devant vous, vous posez la question de pouvoir savoir. Est-ce que j'ai affaire à une sœur ou j'ai affaire à quelqu'un? Amen. Quand Dieu te dit quelque chose dans la parole et que Dieu t'a montré ce que toi, tu es d'une certaine manière vivante. Pour que tu demeures fidèle à la parole de Dieu, il
fort dans la foi. De combattre pour pouvoir résister. Fidèle à quoi? Mais fidèle à ce que l'Écriture dit. Amen. Fidèle à quoi? À ce que Dieu m'a dit, effectivement. Amen. Toutes les tendances, toutes les pressions que vous subissez, qui fait que vous étiez comme ça et vous devenez déformé, c'est parce que vous n'avez pas combattu. Amen. Aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, ils sont fidèles parce que leur vie à eux n'est plus leur vie, mais ils sont comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne m'habille pas pour que les gens voient comment je suis. Certainement, monsieur. Vous savez, le jour du monde, le fond du monde, oui. Mais on ne peut plus ramener dans la maison du Seigneur l'esprit du monde, monsieur. Il faut qu'on soit dehors. Pour arriver à faire cela, il faut combattre. Le monde a la pression. Le travail a la pression. La bureaucratie a la pression. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, ton Dieu, il ordonne que tu sois puissant pour tailler ces choses en pièces et demeurer dans la parole de Dieu, monsieur. Je garde les territoires. Le mal ne peut pas vaincre sur moi. Je dois rester puissant. Amen. Alléluia. Amen. Je suis une fille de Dieu. Amen. Je ne peux pas me prostituer. Amen. Amen. Tu attends de moi que je m'habille comme une saucisse. Mais moi, je ne veux pas. Amen. Pas que mon ménage est interdit. Non, parce que ce qui est au-dedans de moi va d'abord plaire à ces dieux. Ton Dieu à toi. S'il est ton Dieu, tu le verras d'abord. Amen. Le reste ensuite. Amen. Je ne cherche pas à plaire à une femme. Je ne vais pas faire marier un homme, effectivement. J'essaie d'abord à plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je plais à Dieu, alors, si j'ai une femme, il me fera ce que je vais te l'avoir. Ou un homme, une femme. Frère et soeur, c'est la position dans laquelle vous devez vous trouver. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, si moi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. S'il y a le prédicateur qui peut vous prêcher pour vous plaire, c'est juste. Ils vont donner une foule de docteurs, certainement ça existe. Amen. Et vous lui dites, oh c'est bon, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là-bas on peut mettre tous ces machins-là, on peut les porter, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Ça peut. Ça peut. Je dois être fort, Dieu ordonne à son fils pour ne pas retourner dans ce que tu avais voulu. Amen. Parce que progressivement, sans te rendre compte, tu descends de plus en plus. Amen. Pour aller ramasser ce que tu avais jeté. Sœur, hier, la jupe était longue. On te voyait sauter avec une jupe qui était longue, qui cachait tout. Mais après, avec la modalité, ça monte un tout petit peu. Et on te voit ici, tu viens, gloire à Dieu. Tu as la jupe qui est là, et puis les bottes qui sont là. Amen. Mais c'est honteux, monsieur. Amen. C'est pas quelle beauté vous chez ici, c'est pas une discothèque. Amen. Vraiment. Pour que vous mettez des bottes assises à un mètre, et puis la jupe qui arrive ici. Vraiment. Vous savez ce que vous cherchez. Oui. Et vous attendez la réponse. C'est vrai, les bottes peut-être jolies, vous voulez qu'on voit toutes les bottes, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les bottes? Waouh! Wow. Quand tu marches, elle avait les bottes avec les talons comme ça, et était en cuir véritable, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec le cuir véritable? Moi j'ai besoin d'avoir une fille de Dieu. Amen. Si tu veux que mon cœur s'attache à toi, aime Dieu. Amen. Quand tu aimeras Dieu, je te serrerai dans mes bras, Amen. Je prierai pour toi, Amen. Je pleurerai avec toi, parce que tu aimes Dieu! Amen. Alléluia! Amen. Reviens. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé. Amen. Et pratique ton Amen. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous n'êtes pas comme les gens du monde. C'est vrai. Oui.